Bertrand Barrault pour Les Républicains, une minute pour convaincre. En tant que maire d'Issoire, par mon travail et ma volonté, j'ai fait de notre sous-préfecture une ville en plein essor. C'est fort de cette expérience et de ces résultats que je souhaite mettre cette compétence au service de notre circonscription et de notre pays. Effectivement, je ne suis pas le candidat du passif socialiste. Je ne suis pas le candidat des extrêmes. Je ne suis pas le candidat du passé parachuté. Je ne suis pas le candidat qui tourne à tous les vents politiques. Je suis le candidat qu'il faut à cette circonscription. Je suis le candidat du renouveau, des promesses tenues, du dynamisme, des valeurs qu'il est urgent de défendre, l'exemplarité et le mérite, la justice et la solidarité pour faire demain de notre nation une France forte et respectée, pour préparer ce territoire à relever les défis des générations futures et en faire dès à présent une terre où il fera bon vivre et travailler. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci. Avant de se quitter, on jette un œil à la liste complète des candidats sur cette quatrième circonscription. Voilà donc à l'image les six autres candidats sur cette quatrième circonscription du Puy-de-Dôme, associés au nom du mouvement qu'ils représentent. Je vous laisse la découvrir quelques instants. Voilà. Merci à vous six d'avoir participé à ce premier rendez-vous sur la campagne des législatives. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, deuxième partie de Dimanche en politique avec Francis Letellier.